Yo tout le monde, c'est Slim et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans les précédentes vidéos, je vous avais parlé de faire une série sur le Dofusbourg, mais en fait je vais un peu changer pas la donne, mais je vais un peu changer le concept. En effet, je vais juste faire des vidéos de temps en fait, lesquelles sont pour la plupart très simples, très facilement expliquées, mais je vais faire des vidéos. Par exemple, là, dans la première quête, il demande d'aller faire le donjon du Maître Corbac, mais le donjon du Maître Corbac est un donjon très peu fermé et très peu connu. Moi-même, je ne le connaissais pas avant de le faire. Et donc, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter à chaque fois les difficultés liées aux quêtes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un tutoriel du donjon du Maître Corbac. Donc c'est un donjon assez simple. Je l'ai d'ailleurs soloté après l'avoir fait avec mon ami Tissouma dans la guilde, que je remercie. Donc, le donjon Maître Corbac est un donjon complètement original par rapport aux donjons normaux. En effet, c'est pas un donjon où on fait les salles une par une et à la dernière salle il y a le boss. Non, en effet, la disposition des salles fait que c'est une sorte de les salles sont en damier en quelque sorte. Je vais vous mettre un screen de la map à l'instant. Donc vous voyez le screen de la map quand on ouvre la map à l'intérieur du donjon. Et donc en fait il faut quand on passe dans chaque salle, il y a le même PNJ. Et ce PNJ va nous dire dans quelle salle, parce que chaque salle est numérotée, et le PNJ va nous dire dans quelle salle le maître Corbac se trouve. Donc il donne, je crois, quatre salles différentes de probabilité où se trouve la salle. Et pour s'y rendre, c'est assez simple. En fait, dans chaque salle il y a deux groupes de monstres, un groupe avec des buveurs. Donc un monstre spécialement lié au donjon, et un groupe de monstres avec des renardos. Donc les buveurs sur la mini-carte vous font descendre d'une map, et les renardos vous font aller d'une map à droite. Et donc en sachant ça, on peut aller n'importe où dans le donjon pour se rendre là où le PNJ nous a dit de nous rendre, pour trouver enfin le maître Korbach. Donc c'est assez simple comme cela. Donc là actuellement on est dans la deuxième salle. Le PNJ, si mon souvenir est bon, vous avez dit 3, 4, 8, 9, quelque chose comme ça. Et donc là on va vers la droite pour aller. Parce qu'en fait les salles, la première ligne de salle et la première ligne va de 1 à 4 par exemple. Et la deuxième ligne va de 5 à 8. Et après 9 à 13, enfin vous me comprenez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là on enchaîne les groupes de renardos parce que là on va vers la droite. Sachez aussi que quand on est tout en bas et qu'on prend un groupe de buveurs, ça va nous ramener tout en haut. Donc ça ne nous fait pas sortir du donjon. Oui d'ailleurs on l'a expérimenté à nos dépens quand on quitte le donjon, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on s'était fait voler notre maître Corbac, ce qui ripop à chaque fois qu'on le tue. Mais une fois qu'on quitte le donjon, donc là, vous voyez qu'on tombe dans la salle du maître Corbac, donc on est assez content. Donc là, je vais ralentir un peu le multiplicateur de vitesse, parce que là, on est en multiplicateur de vitesse x5, et hop, là, j'ai ralenti. Là, je crois que j'ai mis en x2, pour que vous voyez d'où le donjon. Là, je vais vous expliquer le donjon un peu après. D'abord, je vais lancer. Oui, là, vous voyez à l'instant Tissouma qui est en train de m'expliquer comment faire pour taper le boss. Voilà. Qu'est-ce que. Oui, donc. Je me rappelle plus ce que j'ai en train de dire. Bref, c'est pas grave, on va donc lancer le donjon Maître Corbac. Donc, c'est vraiment très très simple. En plus, là, on avait une très bonne map. Le Maître Corbac tape très fort au corps à corps. Voilà, là, comme vous voyez à l'instant, il invoque des Corbac et il fait un sort qui fait en sorte que ça renvoie tous les dommages pendant 4 tours, mais ça lui enlève tous ses PA, tous ses PM. Donc en gros, ça lui met en état invulnérable pendant 4 tours, en quelque sorte. Et donc on le tape pas, on tape les autres mobs qui sont à ses côtés en attendant. Donc d'ailleurs oui, pour les mobs qui sont à côté, donc bien que vous lanciez le combat à 8, il y aura 4 mobs avec. Enfin, ça sera un groupe de 4 mobs, c'est pas un donjon modulaire. D'ailleurs oui, d'ailleurs même dans les autres petites salles, j'ai plus, je crois que il y a à tous les coups 8 mobs par salle, même si on attaque à 2. Donc oui, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un donjon modulaire. Vous voyez là encore, il a encore
je sais plus, je crois que c'est mur ou épine de feuille, quelque chose comme ça, je le sors qu'il lance. Et donc là, tout pendant que c'est ça, on attaque les mobs qui sont à côté. Donc en fait, c'est un peu comme des archi-monstres par rapport aux mobs déjà présents dans le donjon. Par exemple, là, les Korbak apprivoisés ou enfermés, ou je sais plus exactement le nom. Et là, c'est Korbak apprivoisés avec un prénom. Donc ils sont plus puissants. Voilà, donc Kisuma vient de finir le premier monstre. D'ailleurs, les buveurs sont assez relous. Il faut essayer de les focus avant leur premier tour de jeu car ils se mettent des très grosses résistances. Donc il faut y faire attention pendant le donjon. Voyez, voilou. Donc sinon, à part ça, là je vous ai un peu tout dit sur le maître Korbak. Il hein, faut juste essayer de pas finir à son corps à corps parce qu'il fait très mal. C'est pour ça que les développeurs un peu sadiques ont fait en sorte qu'il y avait le succès collant que nous ne ferons pas dans ce donjon. Ainsi que le succès premier, que nous ne ferons pas non plus. Donc, à part ça, sur Dofus, en ce moment, je vous donne des petites news parce que vous l'aurez remarqué, je suis plus du tout actif là sur YouTube en ce moment. Car en effet, je fais un stage de sport qui me prend toutes mes journées, bien qu'on soit en vacances. Et donc, bah, je peux très peu jouer et encore moins faire des vidéos. Donc, en ce moment, bien que je ne fasse pas de vidéos, je joue quand même, hein. Et j'ai fait un. J'avais créé il y a assez longtemps, vous l'avez vu en vidéo, Wagreb, mon Yop Mule, que je vous avais montré il y a assez longtemps, mais que j'avais arrêté pour faute de Kama et faute d'envie. Mais là en ce moment, bah, j'avais envie de le reprendre, donc là il est actuellement niveau 105. J'ai une nouvelle panoplie, sagesse. En fait, c'est aussi parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a pas mal de youtubeurs qui ont fait des vidéos tuto comment optimiser sa sagesse. D'ailleurs, en particulier Mage Noir qui joue sur Mémane, je dirais. Je vais pas dire de bêtises, mais je dirais Mémane. Et donc, qui a fait sur sa série Guide des Teams comment optimiser sa sagesse. Donc, il montre un stuff niveau 110 à peu près, je crois, bah, pour avoir une sagesse assez optimisée au maximum. Et donc, bah. J'ai un peu copié le stuff niveau 120. C'est pour ça qu'il a fait sa vidéo d'ailleurs. Et donc je vais l'équiper avec ça, mon petit hop, après. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vous mettrai un petit screen bah, pour vous montrer le up niveau 100 du hop. Sinon, je pense, voilà, vous l'avez dit sur la vidéo, que le Korbak s'est remis en mode mur de feuilles. Je pense que là, je vais peut-être mettre une petite musique pour finir la vidéo, en tout cas finir le maître Korbak. Je reprendrai peut-être juste après cette petite musique et la fin du maître Korbak. Donc on va faire ça, je vous retrouve tout de suite.
donc, bah, après ma victoire contre le fameux maître Korbach, et vous m'aurez donc, après avoir droppé le bouquin du livre des torches, plus exactement son nom, validé la quête auprès de Meriana. Et voilà, c'est fait. Donc c'est le livre des torches. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire. Et sur ce, à plus sur Dofus.